les types de jeux quand ils te parlent. Philippe Chabot, chef du sud-ouest, NOS, qui peut-être est Chevest. Recompte tes dents, il va rectifier ton assaisonnement. Philippe Chabot, best of the best, NOS, qui peut-être est Chevest. En fait, Etchebest avait prédit cette victoire. Félicitations à notre champion. Effectivement, c'est moi le champion. C'est qui le patron ? Et moi. Chitoru 7, une ceinture de gagné, 3 côtes de perdu. Mais quand on est Philippe Etchebest, on a toutes les côtes du monde. On a toutes. Pourquoi il n'y a pas de musique ? Très bien. Donc, affichage vidéo, on va virer les. Virer ça, voilà, bannière. Petit entron et scène rampe, il me semble que ça va. Il me semble que. J'ai des danoises des Templiers. Darme de cabillaud au concombre, c'est pas mal. Ouais, mais c'est DCC. C'est DDT qu'on veut. Yeah! Merci, toi là-bas. Et je t'aime aussi, anonyme citoyen. Ok. Hop. Sinon, doigt dans le trou. Mais c'est pas alimentaire. Si le trou est normand, ça passe. Doigt dans le trou normand. C'est nul que ça me fasse rire. Ok les bros, lieu, où est-ce que je peux aller? Je peux aller dans la salle de billard ou dans le bureau de William Regal. Je vais aller dans la salle de billard voir ce qui se passe. Donald Duck tabassé. Non, c'est pas, ça ne fonctionne, ça ne marche, c'est même pas une recette. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien du tout qui va. Get off me. Je vais dire droit du travail aussi si tu veux, mais ça ne fonctionne pas. Ok. Carreau drôle de truc. Non, mais je vais partir sur... Ok, il y a deux gens. Mais elle, c'est pas elle qui avait envie que je la passe à travers une table. But can you please, please, please just throw me through a table? What? Celle qui est à moitié folle. Allez, c'est parti. Ok, so this is crazy, but I promised myself that if I ran into you, I'd ask. I have both you and Kushida in my WWE Fantasy League. It's a thing. I'm already near the top of the standings, but if you two team up and win a tag match, we're talking mad points. Est-ce que je fais ça? J'ai pas envie de faire un sondage, je vais faire au des beautés là. Est-ce que je fais ça? Match. Remarque, non, c'est un truc de babyface. Non, allez, hop, décliné. Encore des suites. Dis donc, tiramisu! Ugh, Cameron Grimes has been leaving one-star reviews on my podcast ever since I criticized one of his matches. Attends, il peut le faire? I even caught Cameron in the act when he was in catering, using the very stealthy username Grimes Rules. Can you knock some sense into him? I'm just trying to do my job. Off. Non, allez, hop. J'ai pas envie de faire des trucs de gentil, moi. Si m'avait dit, hey, dis donc, est-ce que tu peux être un enculé? Ben, là, peut-être. Mais, non. J'ai envie de faire des trucs de heal. J'ai envie qu'Etchebest reste du mauvais côté de la force. Que je suis méchant. Ouais, je vais faire bobo. It's a heal. Heal's your best. It's heal best? C'est pire en pire. Ok. Not sure if you've heard, but there's a superstar shake-up. Merci beaucoup Karuto pour ton abonnement, c'est cool. Super. How do you think that's going to turn out for me? Oh, superstar shake-up. Since you're a main eventer here on NXT, I'll leave that up to you. You can be protected from switching brands, or you can be eligible. It's oh, your call. Je veux être eligible. Anything else I should know? There's a stipulation saying that any champions who go to another brand will be forced to vacate their titles. Pas de soucis. That pretty much covers it. Okay. I think a potential change of scenery sounds good.
les enfants, on va passer sur le... On va passer sur le roster principal. Avec plaisir. Mandy Rose. C'est assez gênant. So basically, which GM do you want to cater to? Oh, celui qui est encore là. In a singles match, so I can show Adam Pearce what I could do on SmackDown. Qui va détrôner les Usos d'après toi, Sami Zayn et Kevin Owens? Done. Une question de Sodizer. It, well, it's been interesting. It sure has. Ok. Ok, on va passer à SmackDown, les enfants. Alors, est-ce que je vous explique ce qui s'est passé avec Mandy Rose? Globalement, est-ce que je vous explique ce qui s'est passé avec Mandy Rose? Globalement, ils ont dû la virer parce que... Elle a passé quelques limites sur son compte, pas OnlyFans, mais un truc qui ressemble à OnlyFans. Et du coup, la WWE s'est dit, t'es championne, on peut pas te laisser faire ça, même derrière un paywall, on peut pas te laisser faire ça, c'est pas possible. Pourquoi j'ai encore Akira Tozawa, merde. Faudrait que je vire ça. Et du coup voilà, ils ont dû la renvoyer du jour au lendemain alors qu'elle était championne. À mon avis, c'est pas du jour au lendemain, c'est ils ont déjà dû avoir des discussions et Mandy Rose a fait le choix intelligent et s'est dit bah écoutez, je gagne beaucoup plus d'argent en postant des photos de moi dénudé, enfin, ou des vidéos de moi dénudé. It's just good business. Oh. Sans musique. Avec sa musique de The Way. Quelle tristesse, quelle frustration. Luke Humphrey, je t'avoue que je n'ai jamais été fan de catch, peux-tu me dire ce qui t'a fait kiffer dans ce divertissement? Les histoires, les personnages, l'ambiance, le côté plus grand que nature un peu, le côté... enfin voilà, tout... C'est un truc global, quoi. Et c'est surtout le fait que c'est... Appelle ça le lore si tu veux, mais c'est ça va un peu au-delà de ça, dans le sens où c'est la façon de raconter l'histoire. Le fait que tout soit trop... Il y a un gros côté comic book, un gros côté... Mais c'est, je pense que ce que j'aime dans le catch, c'est ce que beaucoup de gens aiment dans les animés. Je pense. Barbecue Guy, 6777, dit bonsoir Lynx, comment vas-tu? Et comment va le chat? Bah, le chat, je vous laisse répondre. Personnellement, ça va très bien. Et... Brainbuster! Oh, quel joli contre, fantastique. Donc là, on fait un match pour essayer... Non, ok. Pour essayer d'impressionner... Adam Pearce, général manager de SmackDown. On dirait moi qui argumente sur mon fanatisme de Star Wars. Non, parce que Star Wars, Star Wars, même si j'adore Star Wars, c'est du cinéma, quoi, si tu veux. C'est, voilà, c'est un aspect du cinéma. Le catch, c'est tout le truc, quoi. Mais le catch comme Star Wars, il peut y avoir des trucs que t'aimes, des trucs que t'aimes pas, super quiche, bon. Moi je sais qu'il y a plusieurs trucs que j'aime pas. Genre Empereur des Huit qui me demande t'as déjà regardé New Japan Pro Wrestling? Non, et j'ai aucune curiosité de regarder New Japan. AEW j'ai essayé, c'est vraiment pas pour moi. Mais j'ai essayé pendant plus d'un an, j'ai essayé. Du coup voilà, je sais que c'est pas pour moi. Ok. En fait, quand je dis que je suis fan de catch, je suis fan de la WWE. Hein, c'est... Le truc, c'est quand on dit ça, on a tendance à se faire foutre de sa gueule par plein de gens. Mais bon, je l'avais bien. Luke Humphrey, comment fais-tu pour être dans le catch face aux préjugés de la plupart des gens aujourd'hui? Bon, ça, c'est assez simple, j'en ai rien à battre de ce que pensent la plupart des gens aujourd'hui. Mais j'en ai rien à foutre! Yeah.
C'est pas comme si je parlais de catch tout le temps non plus, quoi. Donc, tout va bien à ce niveau-là, quoi. Le Superstar Shake-Up continue avec Etchebest qui part à SmackDown. Bienvenue à SmackDown, Etchebest. Je pense que tu vas accomplir de grandes choses. Je pense que tu as raison. Est-ce qu'on se changerait pas? On vient d'arriver sur le roster principal. On veut faire bonne impression. On va changer de gear. Philippe Edge the best. We'll see how he fares here, but I think he has the chance to do big things. Yeah, c'est exactement le même parking. C'est le même. Même. C'est le même parking. Fouac. Pourquoi les Snars, j'ai pas aimé Pavel? Parce qu'il arrive, il claque des doigts, il fait un gros prout et il a droit à un match, donc il n'y a pas besoin de gagner le Rumble pour ça. Tu vois qui a remporté le Rumble cette année? J'espère que ça va être Sami Zayn. J'espère que ça va être Sami Zayn. Il le mérite tellement fort. Randy Orton est tellement sous-coté, le gars est encore impeccable 25 ans après. Je pense pas qu'il soit sous-coté, le mec a été champion un nombre incroyable de fois et... Je dis pas que tout le monde l'aime, mais bon... voilà. Il a... C'est pas comme si personne l'aimait non plus, quoi. Oh, qu'est-ce que tu me veux, Mark Thompson? T'es à chier, Mark Thompson. Personne t'aime, Mark Thompson. I love the New Day and Biggie, but when I've had a bad day, I don't want to see the powerhouse of positivity. I want to see carnage. Yeah! Regarde pas le film, il est à chier. Ouais. You'd be the guy to talk to about bringing Biggie some misery. Ouais, on va défoncer la gueule de Biggie. On va lui faire tellement mal que plus jamais. Il... C'est triste. D'ailleurs, tu as pensé quoi du match Last Man Standing, Lesnar contre Reigns? Il était tellement cool. Il était tellement sympa, ce match. C'était... enfin, ils ont eu un bon match tous les deux, quoi. Enfin. Un bon match que tous les deux, parce que, évidemment, le match à WrestleMania, je sais plus le chiffre, quand Seth Rollins a encaissé sa balade de Money in the Bank à WrestleMania. C'était génial. Mais... voilà. Wouah, je suis pas d'accord avec toi. Vilain Benjamin qui dit Brock Lesnar, catcheur mauvais, perso sans substance, presque autant que Goldberg. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et c'est parti. Ah, oh, Biggie, je t'aime, Biggie. Vas-y, casse-moi la gueule, Biggie. Casse-moi. Je mérite que ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, mais quand même pas trop. Je vais quand même te défoncer la gueule. Mais. Sur le béton, ça fait mal. Ok, on va tenter, vous savez ce qu'on va tenter? On va tenter la méga crêpe Suzette, la crêpe méga Suzette, on ne sait pas. En tout cas, on va tenter... Oh, oh oui, il m'a contré, d'accord, bien joué Biggie. On ne t'appelle pas Biggie pour rien. Tu es... Oh. Tu es gros et ton initial c'est E. Hop, tu es un gros monsieur. Allez. Hop, et... Ouh, backbreaker. Bah c'est presque un tilt world, un tilt world backbreaker. Hop, et c'est parti. Un. Non. Non, non, non. Non. Je vais te faire du mal, je vais te faire du... Oh. Ok, arrête de me taper, ça fait très mal. Arrête de me taper. J'arrive pas à esquiver. Aïe. Ok, c'est bon, je l'ai esquivé celui-là. Lesnar est un bon catcheur quand il a une bonne... Non mais arrêtez vos conneries, Lesnar est un excellent catcheur. Enfin bon, voilà. Sirofis qui dit salut, il est bien le jeu. Ouais, moi je trouve le jeu très bien, très chouette. Un peu léger niveau histoire, mais nettement meilleur que ses prédécesseurs en termes de gameplay. C'est beaucoup plus fun de jouer. Hop là! Hop là! Alors comme ça, on aime bien jouer avec des chaises. T'as qu'à l'esquiver celle-là! Esquive ça! J'en ai rien à foutre! Si un fils demande c'est ennuyant, bah t'as surtout l'impression de faire, de devoir faire toutes les quêtes secondaires. Et ça, c'est un peu dommage. Ouh!
Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu dommage. Mais voilà, il est chouette. Ton WrestleMania préféré. Je les ai pas tous vus. Je suis loin de les avoir tous vus. Ok, on va tenter la méga crêpe Suzette. Est-ce que vous êtes prêts pour la méga crêpe Suzette? Méga crêpe Suzette! Méga crêpe! Méga... Merde. J'ai raté. J'ai absolument raté. Les gens se souviennent pas de Kurt Angle, de Lesnar contre Kurt Angle. Comment ça, les gens se souviennent pas de Lesnar contre Kurt Angle? C'est-à-dire que même moi qui pense pas à tous les matchs, tu me dis celui-là, je vois très bien de quel match tu parles. WrestleMania 21, ce faire de ma part. Le match où Kurt Angle était blessé en arrivant, mais c'est Brock Lesnar qui s'est blessé en repartant. Ok, méga crêpe, méga Suzette, c'est parti. Oh, fais chier, il se relève. Oh, Marc, s'il me suit en haut... Oh, vas-y, viens. Vas-y, viens. Eh, vas-y. Oh, j'ai jamais essayé de faire ça. Je sais pas du tout où je vais. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. On monte les escaliers. Ok, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Ok, je vous avoue que je suis un peu stressé. Est-ce que je peux le jeter? Oh, il a esquivé la super... Il a esquivé la super quiche. Oh, ok, j'ai... Oh, putain de merde. Le mode multi est bien, j'en sais rien, je joue pas en multi. Ok. Putain de... Au secours. Tombe. Longue vie au roi. Crêpe Suzette. Il a esquivé. Je vais super bien. Oui. Et caramel, il a esquivé. Faut pas que je crie, y'a ma fille qui dort en haut. Elle a pas un mois, faut pas que je la réveille. Allez. Ok. Ok, très bien. J'ai vu qu'il y avait des gens qui me posaient une question. Je vais me concentrer un peu sur le match si ça vous dérange pas. Non, big ending. Oi. Non mais je suis paralysé. Hey, je peux rien faire. Hey, arrête de me faire mal. Allez. Par pitié, je peux pas esquiver. Je peux esquiver. Ouf. Super quiche. Vas-y le caramel et c'est fini. Oh, c'est pas grave, vas-y, recommence. Oh là là, c'est fini. Je m'en fous. Je refais la méga crêpe, méga Suzette. J'en ai rien à battre. Je pense que ça va... On a atteint les 100 viewers. C'est ça, on a atteint les 100 viewers. Et c'est parti. Méga crêpe, méga Suzette. Non, bon. Excusez-moi. Très bien. Oh man, you can see he is feeling. Ça dure pas trop longtemps, ça va. Hop. En fait, je sais pas ce que c'est le but du jeu. Enfin, le but du match là. Est-ce qu'il faut que je le batte? Ah d'accord. Il me squatte. C'est pas très agréable. Aïe. Parce que là, j'ai quand même bien défoncé sa gueule et. Ce Deezer dit combat par KO. Bah oui, mais je lui ai quand même mis. Sacré vitalité. Voilà, ok, nickel. Je veux dire, là, bon, il y avait matière à avoir un KO, il me semble. Ok, j'ai pas entendu, il est bien le multi, il y a de la... je ne joue pas en multi. J'en sais rien du tout, je peux répondre à aucune question en multi, j'ai pas essayé, je compte pas essayer. Allez, la chaise. C'est génial, faut taper Biggie jusqu'à ce qu'il puisse plus se relever. C'est vraiment chouette. J'adore ce que je suis en train de faire. Donc pour ceux qui suivent pas, Biggie, c'est un catcheur qui aujourd'hui ne peut plus catcher parce qu'il a fait une mauvaise chute, il a pris une prise et il est mal retombé, il est tombé sur sa tête et il a eu des dégâts aux vertèbres cervicales qui font que... Voilà. Hey, this is a crime scene. Yes, a crime scene that I made. Qui font que...
peut-être il cachera plus jamais. You know what one of my favorite sounds in the world is? Hearing the crack of a kendo stick over someone's back. Mais t'es folle alliée, toi. T'es folle alliée. And it's stuck with me ever since. I would love to see how vicious you could be with a kendo stick in your hand. Oh, how vicious can I be? You want to see how vicious I can be? All right, I'm gonna try and be vicious for you. All right. Donc, va falloir briser un gros bâton sur le dos d'Apollo Crews. Désolé, Apollo Crews, c'est pas pour toi. C'est pour la folle dans la salle de billard. C'est pour la folle. Très bien. Comment t'écris Choc Slam, vilain Benjamin? C'est Choc comme étranglé et Slam. Philippe H. Burst. Je vais autoriser ton message, Luf, excusez-moi. Hop là. From France. Je laisse un peu son entrée pour peut-être mettre des extraits dans le... Yeah! Merci! Pour mettre des extraits dans le générique. Maintenant qu'il y a ses nouvelles fringues. Sa bonne tenue du roster principal. Le chef entre dans la cuisine! Cuisine! On est là pour cuisiner! On va manger des chips! Et ça va cuisiner. Apollo! Valoche, le cauchemar, c'est lui! Excellent. Oh, c'est quand il avait sa gimmick super bizarre. Où il disait qu'il voulait respecter son héritage et du coup, il parlait avec un accent nigérian parce qu'il vient du Nigeria. Sauf qu'il a grandi aux États-Unis et du coup, il n'a pas d'accent, en vrai. Et du coup, c'était quelque part entre chouette et un peu cringe. Parce qu'il arrivait avec une lance et tout, enfin... Voilà, c'était... Je détestais pas, et ça me mettait un peu mal à l'aise. Parce que j'avais l'impression qu'ils en faisaient pas grand-chose. Valoche, le duel des chauves barbus. C'est ça. Et Green Wolf, premier message sur le chat, dit « Cuisson à point ou saignant ?» Mais mon frère, ça va tellement saigner sa mère. C'est ça, Apollo. Salut, Nordinator. Pour terminer ce mode de jeu, faut-il faire tous les scénarios disponibles en heal, puis en face des trois écuries? Je pense que si tu veux finir le jeu, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je fais juste un let's play. Je fais ce que j'aime. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et en l'occurrence, ce que j'aime, c'est rentrer dans sa gueule. Raté. Belle esquive, frangin. Belle esquive. D'ailleurs, il manque le commandant Aziz. Fait remarquer qu'il est camarade. Tout à fait. Commandant Aziz, qu'on ne voit plus depuis qu'Apollo Crews est retourné à NXT. Bonsoir, Mizone Siou. Salut, Amin Ma Ressuscite. C'est Lynx avec un S, si je peux me permettre, pour modérer ton enthousiasme. Fei Young dit plutôt vanille ou chocolat. Plutôt. Pas dans la gueule. Pardon. Plutôt. Ah, bah ça dépend, hein. Vraiment, ça dépend. Ça dépend de ce que tu manges. La vanille se marie plus avec tout. Voilà. Hop! Et Power Slam! Ah oui, il faut que je le batte avec un Shinai, c'est vrai, j'avais oublié les règles du jeu. Hop! Bleu! Descends du. Voilà, fantastique. Ah là là, il n'y a pas de souci, Amine, pas de souci. Kendo Stick, meilleure era pour toi. J'ai suivi le catch très très peu, j'ai suivi. Oh!
Oh, oh, c'est beau ce qui s'est passé là. Fantastique. Moi j'ai suivi un peu la Ruthless Aggression, j'ai pas du tout suivi la PG, je suis revenu en 2010, j'ai commencé à re-suivre en 2017. Donc, mais entre les deux, ma préférée, ah c'est difficile, hein. C'est difficile parce qu'il y a eu, je peux pas te répondre, je peux pas te répondre. Shanky non plus, on le voit plus, effectivement. Eh, ce soir, ça y est, j'ai pété le Shinai sur sa gueule, j'ai pété le Shinai, j'ai gagné. Non, faut continuer, ok, bon, on va continuer, c'est pas grave. Hop là! Jinder Mahal à NXT, c'est tellement. Pourquoi j'arrive pas à prendre un truc dans la. C'est chiant! Eh hey, toi là, viens! Oula, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, oh ça, ça doit faire très 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 mal! Ok. Ça, c'est une prise qu'ils font pas souvent! Another one. Olé! 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 Bon voilà, on a atteint l'objectif. Maintenant, je te suggère que je fasse mon petit objectif perso. Hein, j'ai craché partout en disant perso, c'est très intéressant ma foi. Ok, on va prendre ça. Je profite pour que vous soyez nombreux pour vous rappeler que samedi, soirée quiz avec l'équipe des capsules, samedi 20h, j'espère que vous serez nombreux. On va bien rigoler, ça va être très sympa. Donc voilà, marquez la date et soyez présents samedi 20h. Je stresse un peu parce que j'ai complètement écrit le quiz. Et du coup, c'est pas évident. Mais j'espère qu'on va s'amuser. J'espère que ça va être bien. J'espère que ça sera en tout cas plus agréable qu'un super quiche. Oh, belle esquive. Fantastique, fantastique. Hop. Et non, oui, non, arrête. Ah, tu me fais mal. Aïe, 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 Spinebuster. Ah, va falloir que j'esquive celle-ci. Comme ceci, on esquive, relève-toi et caramel! On est bon! Formidable. Je laisse un peu toujours hein, les cinématiques pour le générique. Jusque là j'ai pas encore perdu hein. Nickel. Tu peux danser chez toi si tu veux. Alors, ça t'a laissé une marque Apollo, dit Tazia Tasty. Elle est folle alliée celle-ci. Pourquoi il a fallu que tu me gâches la journée, Chabest? Attends un peu que je gâche ta carrière. Elias dit, je vais sortir une nouvelle chanson à SmackDown, voici un extrait. Tu t'es pointé en pensant que t'étais génial, mais ton travail est plus que bancal. Tu devrais retourner au PC et travailler tes mécaniques, parce que tes matchs sont pathétiques. Oh la vache, mais c'est nul. Et... parlant de pathétique, menacé. Peut-être pas, mais si j'étais toi, je ne jouerais jamais cette chanson. Je la jouerais cette semaine. Arrête-moi si tu peux. Mais c'est prévu, Francis. Francis Lalanix. C'est prévu. Ah oui, non, mais t'inquiète pas, Fei Young, c'était prévu que je le menace. Il y avait pas de deuxième option, si tu veux. C'était. I hate le plan B. Le curseur sur la menace. Vas-y, joue ta chanson de merde, je vais prendre une petite praline. Salut Phila, bienvenue, pose-toi bien. Hello, I am Elias, and I am the man who... Where did he come from? I don't know, but thank you. These two had an issue on social media about this song. Tu m'as frappé à la tête avec une guitare? Oh! Yeah! Oh! It's one thing to take issue with a song lyric,
Non, non, récupère la guitare. Pète-lui la guitare sur la gueule. Oh. Quelle tristesse. Ok. Bon bah, ma foi, j'ai dit que j'allais l'interrompre, je l'ai interrompu. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein, exactement ce qui s'est passé. Bon, bah, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est très bien. Cette chanson ne parle pas de toi, Jebest, mais t'es si vaniteux que tu as pensé ça direct. Que ce soit ou pas, je m'en fous, personne n'aura jamais à entendre ton horrible voix désormais. À propos de ça, bonne nouvelle, les docteurs s'attendent à ce que mes cordes vocales soient guéries dans quelques semaines. Mauvaise nouvelle pour toi, c'est que ça ne m'empêche pas de te foutre au tapis dès maintenant. C'est officiel, Elias cherche la revanche contre Etchebest, qui commence à connaître la musique à SmackDown. Je vais péter sa gueule. Je vais tellement te refaire la tronche que ta mère croira que t'es un ornithorynque. Péter sa mouille. Péter sa mouille. Composez-moi une chanson dans le chat. Écrivez-moi des trucs qui riment. Ça va être fantastique. Oh, walk with the lies. Hop là. Hop. Ça va être totalement impossible. Hop là. Hop là. Oh, Valoche avec la petite tarte aux pommes d'Adam. Excellent. Excellent. Je peux savoir ce que tu fais. Repose-moi à terre. Put me down now. Ok. Villa Benjamin, je pense que les avertissements des catcheurs, ne faites pas ça chez vous entre les matchs, ont été les moins suivis de l'histoire. J'ai tellement fait de conneries avec mes frangins, avec des potes, avec... avec mon cartable, je suis allé dans le bureau du CPE une fois parce que j'avais fait un choc slam à mon cartable. Mais faut pas le faire, hein, faut pas le faire parce que t'as vite fait de faire une connerie et les catcheurs sont des pros. Et même eux, parfois, se blessent très salement. Donc ouais, non, faut pas le faire. Quand je faisais du catch avec mes frangins, ma prise de finition, c'était le Samoan Drop, parce que je pouvais pas faire grand-chose d'autre. Hop. Hop. Brainbuster. Who you gonna call? Brainbuster. Allez, allez, allez. Un petit tour. Buh. Ah là, là on est bien. Là on est bien. Il faut que je gagne ce match. Très bien. J'aime bien quand les objectifs sont limpides. Exemple Biggie. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est pas le seul exemple. Il y a plein de catcheurs qui se sont retrouvés. Il y a un catcheur qui est mort sur le ring alors qu'il affrontait Rey Mysterio. Super quiche. Il est ce qu'il y a, super quiche. Pas la WWE, donc je me rappelle plus comment s'appelait ce catcheur. Et après, il y a tout ce qui est Chris Benoit, Chris Benoit, Eddie Guerrero, tout ça. Et ça, c'est encore autre chose. C'est des gars qui sont morts des conséquences indirectes du catch, on va dire. C'est-à-dire qu'à force de se prendre des stéroïdes et de se prendre des coups dans la tête. Ah, bref. Ce serait bien que j'esquive 2-3 prises là parce que je sens que je suis pas dans le match. Voilà, j'ai esquivé sa prise signature. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le fonctionnement du jeu, vous voyez les petites barres bleues, les petites diodes bleues qu'il y a sous mon nom. Quand elles sont complètement remplies, j'ai une prise signature. Donc une petite prise, une petite grosse prise, une prise moyenne. La, en l'occurrence, la panouf ou la super quiche. Oh là là, je suis paralysé, je peux rien contrer, je ne peux rien contrer.
Et une fois que cette barre est totalement... Une fois que la barre jaune en dessous est complètement remplie, ou une fois que j'ai donné avec succès une... Aïe. Ou une fois que j'ai rempli la barre jaune qui est en dessous, j'ai une prise de finition qui est là, une grosse grosse prise, donc le caramel. Voilà. Ça c'est le gameplay. Faut que j'arrive à esquiver des prises parce que là je m'en prends plein la gueule. Et j'ai pas envie que le premier match que je perde soit contre Elias. Ok, je vais pas lui faire le caramel maintenant parce que je vais pas réussir à le... Brainbuster ! Je vais pas réussir à le maintenir au sol pour le compte de 3 si je fais le caramel maintenant. Faut que je l'affaiblisse encore un peu. Hop ! Pedro Aguayo Ramirez, merci beaucoup Valoche pour l'information du catcheur décédé dans le ring dont je parlais tout à l'heure. Delta Genesis qui demande s'il y a une mécanique de stats sur les persos. Oui, tout à fait. Après, ça monte très très vite. Hein. Là, mon HMS, il est déjà à 91 sur 100, je crois. Ça monte très très vite. Crêpe Suzette! Nickel. Hop! Ah là là, j'ai pas contré. C'est bon. On est toujours dedans. Il y a toujours l'aligo. Oh, faut que je le compte celui-là. Celui-là, faut absolument que je le compte. Il est contré. Powerbomb. Et on va essayer de caser le caramel. C'est parti. Il s'est relevé beaucoup plus vite que prévu. Ok. Tant pis, par pitié, stop, aïe! Ne me tuez pas, pitié! Ok, vas-y, c'est là, c'est juste là. Caramel! Ok, et il y a toujours le Welsh. Ah là, j'ai la tête du match qui vient de se passer. Hein. Je l'ai un peu subi celui-là. Oh la vache! Quelqu'un demandait si on voit point. Eh ben là, t'as ta réponse. Oh mon dieu. La tête est bleue. Vilain Benjamin qui demande le plus grand botch de tous les temps. Sans doute l'entrée du. Enfin, le début du Shockmaster, je pense. Plus grande tous les temps, ça doit être ça.